Bonjour à la maison, c'est encore moi, Guiz de Noël. Écoutez, je vous ai posé la question, voulez-vous que je fasse le troisième jeu des aventures de la Bible, le pire, le plus désagréable, le plus long? Oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr de l'Arche de Noé. Quel jeu, incroyablement! Allez, c'est parti! Oh, pourquoi je vous écoute? Je devrais jamais vous écouter. Donc, dans l'Arche de Noé, on doit sauver tous les animaux. Et comme dans la Bible, Noé ramasse... Ouais, c'est quoi ton problème, toi? Donc, Noé ramasse des animaux et doit les porter dans l'Arche. Et tout est contre nous. La gravité... Ouais, il y a un cheval. Allô? Oh, oh! Et Noé est quand même assez puissant. Bon, ok, j'ai perdu mes animaux. Il y en a deux là encore. Tout clignote, tout va bien. Ok, c'est bon. Allez-vous-en pas! Pourquoi il est parti? C'est pas comme ça que ça s'est passé dans la Bible. Ok, on a sauvé une vache. Tout va bien. Donc on a une liste d'animaux que j'ai appuyé beaucoup trop vite. Vous avez pas eu le temps de le voir. Le singe est dur à pogner. Normalement, on peut lui lancer quelque chose pour le mettre KO. J'ai été chanceux, je l'ai attrapé. Donc on va gérer ça. Donc voilà, il y a des vaches, des crocodiles, des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Et je rappelle que quand je manque d'énergie, je peux lire des passages de la Bible et ça me donne un d'énergie. Donc voilà. Ça peut me servir soit pour assommer les animaux ou ils vont venir manger. Comme le cochon, il glisse trop. Mais si je pitche ça dessus... Ben là, il arrête de glisser. Là, j'ai ramassé ben trop l'affaire. On est plus riche, blablabla. Ok, tout va bien. Je n'ai jamais terminé ce jeu. Je sais pas si je vais réussir. J'ai beaucoup d'espoir. Ici, j'ai un buffle. Je prends le buffle. Ok, va-t'en pas. Excellent. Donc ça, c'est bien. On a deux animaux à la fois. Je pense que c'est un ox. Ça? Un oxen. Excellent. On a à peu près un animal de chaque. Tiens. Le cochon, j'aime beaucoup ça l'assommer. Ça y apprendra. Maudit pas fin. Je vais aller voir complètement à gauche. Parce que là, dans la liste, hein, il y a des serpents. Mais c'est super important de comprendre que les serpents dans les arbres, ce ne sont pas des serpents. Tiens, il y a la pouliche qu'on a manqué tantôt. Pouliche, viens ici. Ok. On va l'amener. Donc, ce serpent-là qu'on vient de voir, c'est pas bon. Non, 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 non. Ce n'est pas le serpent de la religion qu'on cherche. On a besoin d'un autre type de serpent qui vit ailleurs. Allons gérer cela. Donc, il nous manque des serpents. Allons-y. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié que Noé peut grimper dans les arbres comme dans la Bible. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, c'est... Oh! OK. Toi! Hey, viens ici! OK, on va les porter lui avant. Puis après ça, on ira gérer les serpents. Bon, voici un des serpents en question. On va y pitcher quelque chose dessus pour l'assommer. Je sais pas si c'était nécessaire. On va aller chercher notre serpent. Et les serpents peuvent aussi se trouver dans la caverne ici. Oh! Il était sorti. Donc, je sais pas si des fois, il faut qu'on rentre dans la caverne pour les faire sortir. Je vais vous montrer l'intérieur de la caverne. Donc voilà, on est dedans. Et la première fois que je suis venu ici, je comprenais rien. J'avais pas compris que c'était comme dans un arbre. Je pensais que j'étais pris en bas. Mais non, vous pouvez. Vous pouvez marcher. Donc on a les deux serpents. J'ai pris soin d'aller chercher presque tous les autres animaux. Je crois qu'il nous manque... On les a peut-être tous après ça. Allons voir. Est-ce qu'on a tous les animaux? Come on! Deux serpents, neuf moineaux. Ok, il nous manque une vache. On va aller chercher la dernière vache. Oh, elle est en haut! Ben oui, je l'ai regardé en bas, mais où avais-je la tête? Les vaches, ça vit dans les airs. La voici. Hey. Voyons, t'es pas un taureau. C'est quoi son problème? Ok, ben il est en bas, là. Non? Ow! Tabarnouche. J'ai jamais eu autant de difficultés avec un bovin. La porte est-tu ici? On va la trouver. Tout va bien. Oups. Oh non!
Ok. Tout va mal. Ok, la porte est là. Non. Ouais! Premier niveau réussi, mesdames et messieurs. Il y en a 1000. On a tous les animaux. Est-ce qu'on va fêter ça? Vous avez collecté tous les animaux. Noah va maintenant vérifier son inventaire. Noah compte! Oh, il va tout les passer pour vrai? Je peux-tu skipper ça? Non? Je peux pas! On regarde! Yay! C'est le fun! Deuxième niveau! Donc, là, il y a des oiseaux. Là, c'est le fun parce que les oiseaux, ils volent. Fait que c'est pas désagréable du tout. Ah, au moins j'ai ça pour les assommer. T'es un oiseau! Oh, deux animaux d'un coup! C'est une tortue, ça? Je le sais pas. J'adore quand Noah court plus vite que le niveau lui-même. Ah oui, lui, il est pas fin. Lui, il nous donne, il nous frappe, fait qu'il faut l'assommer avant. Qu'on va aller porter nos deux animaux pour aller le gérer après. Excellent! Quel jeu! Mesdames et messieurs. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça. J'ai jamais, encore une fois, terminé ce jeu. Si je pitch lui, vas-tu pas aimer ça? Non, il s'en fout. Oh, ok. Oh non, je suis mort! Ah! Oh, ok, on continue. Oh non, on recommence! Mais là, faut que je fasse attention quand je me fais frapper. Je regardais pas mon énergie, je me sentais invincible. Oh mon dieu! Ok. On prend plus soin de nous. Hey, oiseau! Ah. Tortue. Ah, c'est l'enfer. Bon. J'ai mis la tortue en haut. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Ok, c'est un oiseau. Ok. Il était pogné dans le coin de l'écran. Fait que c'est correct. Fait que je vais aller ramasser le plus d'animaux que je peux. Je vous reviens. Ok, on doit pogner les aigles. Puis, une des manières de les assommer, c'est avec les glands. Donc, on va se garder des glands. Et on peut changer les items qu'il y a dans nos mains. Noé va lancer celui qui est au-dessus de sa tête. Super important. Retenez ça, ça va être à l'examen. Bon, c'est le dernier oiseau. Il est pareil comme ceux qui peuvent me pogner. Mais pas tout à fait. Ah oui! Il est temps! Yeah! Donc, c'est vraiment mélangeant. La première fois que j'ai joué, je trouvais pas les aigles. Puis, il y a deux aigles qui sont un peu différents. C'est le même sprite, mais tu peux les attraper. Ils sont moins en train de voler. On vient de finir un deuxième tableau, mesdames et messieurs. On a tout trouvé. Oh. Et là, on va regarder Noé. Est-ce que Noé va regarder son inventaire? Oui! Vas-y, Noé! Regarde-moi ça! C'est palpitant! On s'amuse! Il ne manquait personne! Pas même les tunes de Kant, jour en arrière de l'autobus. Ouais! Yeah! Et là, le prochain niveau, vous allez voir, c'est du sport. Ça va être magique. On est-tu toutes, là, Noé? C'est-tu correct? On peut-tu être inondé pis tout? Là, on a besoin de nourriture pour l'aventure. Hein? Donc, on va ramasser beaucoup de vaches. Et là, je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'énergie. Qu'on va se ramasser d'énergie. C'est un niveau qu'on peut quand même facilement mourir. On va faire attention. Donc, si on regarde la liste de ce qu'on a de besoin, on a besoin de 7 de chacun, incluant des vaches, des taureaux, mais aussi de la bouffe, carrément. Donc, c'est le premier niveau qui est comme ça. Et là, on reçoit... Ah oui, je me souviens, on se fait beaucoup attaquer ici. Il faut faire très attention. Donc, on voit... Hein, je me fais lancer des affaires, mais c'est correct. Parce que selon le type de singe, il va me lancer de la nourriture. Puis c'est la nourriture que je dois aller porter ensuite. Bon, là, évidemment. Quand je saute... Ah, oh, come on. Ah! Oh! Ah, oh, j'ai oublié à quel point c'était désagréable. C'est que quand on change d'étage avec les bovins, eh bien, c'est compliqué parce que... Ah, oh, puis là, j'ai lancé mon fruit. OK, on va y aller tranquillement. Là, t'as un. On en a un. Fait que je vais aller à la chasse à la vache et je vous reviens.
Bon, on les amène à coup de 3, let's go! Là, ils vont-tu tous tomber à chaque fois que je vais sauter? C'est ça la pogne? Non, allez-vous-en pas! Non, non. Ok. Oh! Tabarnouche, hein? 4 vaches! Non, non. Non! Oh, les pas fines. Il y en a combien ici? Oh, elles sont toutes parties! Oh, j'avais quasiment toutes mes vaches! On lâche pas! Bon, c'est la dernière vache! Après ça, on va aller chercher de la nourriture! Mon Dieu, hey, si vous saviez à quel point j'ai couru à travers toute la planète pour aller chercher ces vaches-là, en espérant que je me ferai pas frapper, parce que là, je commence à plus avoir d'énergie. Puis là, les singes vont me lancer des affaires dessus. Bon, j'ai aussi attrapé un blé par accident en ramassant une vache. On doit ramasser maintenant des bananes, des coconuts, des poires, des raisins, du blé, tout. Fait que ça, ben c'est du blé. Allons le chercher. Excellent. Et les petits singes lancent des trucs. Faut qu'on fasse attention parce qu'ils peuvent nous faire mal. Donc, petit singe, qu'est-ce que tu lances, toi? Rien. Bon, on va aller porter... Tu lances-tu quelque chose ou non? Allô? OK, il a pas l'air coopératif. On va aller porter ça. Puis, on va essayer de ramasser le plus de nourriture qu'on peut. Pourquoi il veut pas rien me donner, lui? Tiens! Vas-tu me donner quelque chose? C'est quoi son problème? Ok, ben il veut pas. Aouh! J'ai plus beaucoup d'énergie, je vais faire très attention. Je pourrais avoir l'air fou. On va prendre le blé ici. Hein? Toi, tu donnes-tu quelque chose? Petit singe! Ah! Lui, il lance! Je sais pas c'est quoi. J'en ai de besoin. Et je pense que je peux avoir 4 ou 5 items en même temps, je suis pas sûr. Voilà, on a atteint le maximum, c'est bien 4. Donc après ça, il faut revenir. Donc on va aller faire des allers-retours. Et je vous reviens si jamais j'ai un fruit nouveau ou un autre aliment nouveau qu'on n'a jamais vu. Yeah! Bon, je suis venu faire un tour dans la grotte parce que je cherchais des trucs. J'ai aussi besoin d'énergie. Donc, je suis venu ici, je viens de ramasser un d'énergie. J'espère qu'il y en a d'autres. J'ai-tu un... Ah! Yes! Je sais pas comment je l'ai ramassé, mais ça me l'a donné. Il est en haut à droite. C'est super bien codé, ce jeu-là. Tout va bien. Tout va super bien. Donc, j'ai deux trucs de blé, je crois. Toi, tu lances quoi? Tu lances quoi, toi? Lance-moi quelque chose. OK. OK, faut que je ramasse vite. OK, c'est bon. Oups. Non. Ah. OK. OK. Ah, puis il me fait mal. Faut que je fasse attention. OK, j'ai des... Non. Vas-tu rester? Non. Ah, oh, wow. Non. OK, tout va bien. On va aller porter ça. Oh là 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 là, que c'est bien fait, ce jeu-là. On lâche pas. Bon, j'ai fait le tour un peu pour ramasser des morceaux d'avoine et de trucs qui traînaient. Je pense que ça va aider pas mal. Ah, il y en a un autre là. On va revenir. Je suis plein présentement. Il me reste juste un de vie. Faut que je fasse attention. J'ai super pas le goût de recommencer. C'est excessivement long. OK, on va regarder un petit inventaire. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il nous manque... une banane, 2 coconuts, 3 raisins. 2 wheat, puis une vache. On lâche pas. OK, il nous manque une banane et 2 coconuts et on se sort de ce cauchemar. Toi, tu me lances-tu des affaires? T'es-tu de même, toi? Ou tu niaises? OK, toi, tu niaises. OK, on va aller voir l'autre qui nous a si généreusement fourni. Donne-nous des affaires. Une poire. C'est des coconuts, hein, surtout. J'imagine qu'il va nous lancer les bons. Je suppose que ça arrangeait avec le gars des vues ou pas. Je sais pas. Je vais même pas regarder s'il me manquait des bananes. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi, là. J'ai une poire puis 3 bananes. On va aller voir si le jeu nous donne les bonnes affaires ou s'il faut que j'aille voir un autre singe. Ça se peut. Alors, on avait-tu besoin de ça? «
Ok, ben il nous manque deux coconuts, puis on va l'avoir. On lâche pas. Ok, on a trouvé les noix de coco. En voilà deux. Nous en manque une. On les a. Faut que je fasse attention aux roches. Une roche, puis je meurs. Non! Non! Bon, j'ai recommencé à zéro. Et là, oh non. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut ici. Si je réussis à tout prendre. Ok, je pense que c'est les trois items qui me manquent. Je suis plus sûr. Je viens de perdre excessivement beaucoup de temps de ma vie que je pourrais plus jamais avoir. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout, s'il vous plaît? Vas-y, Noé! Yes! Yes! On a toutes! Là, il parle d'animaux. Là, il va checker les animaux. Puis après ça, j'imagine qu'il va regarder la bouffe. Oh non, il va pas compter toutes les 14. Non! Pour vrai, là? Ah, c'est pas vrai! Maintenant, je comprends. J'avais vu à un moment donné quelqu'un, pendant une speedrun de Moïse, dire... Jamais l'Arche de Noé. Jamais. Les speedrunners ne veulent pas faire ce jeu-là. C'est le pire. Alors, la mission continue. Et là, c'est le pire niveau. On est dans le noir. Mais on a une lampe qu'on peut pitcher. Mais si on la pitch, on voit plus rien. Fait que c'est le fun qu'on a. Fait que là, on s'amuse à assommer les animaux. Et là, le truc, c'est par en haut comme ça. Donc, on peut ajuster... Ow! Pour mettre la lampe en bas. Comme ça, on perd pas nos animaux si on se fait pogner. On perd notre lampe, mais on peut la récupérer. Donc, on va y aller tranquillement. Wow! On prend notre lampe. Tout va bien. Ça va, ça va. On vient porter. Non, non. Ah non! Peux-tu les reprendre? Ah non, je peux pas les reprendre. Tiens. Meurs. Okay, on va aller porter lui pour commencer, là. Faire attention pour pas se faire tuer. C'est un peu l'enfer dans ce niveau. Oh, il y a tellement d'affaires à aller chercher. Je capote. Et je peux me faire mal avec ma propre lampe. C'est agréable. Ok, je prends ma lampe. Non! Ok. Lui dort. Lui dort. Deux animaux de plus. Bon, je vous reviens dans un instant. Ok, ça avance quand même bien. Je crois que le seul animal que j'ai pas encore trouvé, c'est des canards. Effectivement, les canards. On lâche pas. On va l'avoir, l'arche. Ok, on vient porter un lion. Je pense qu'il nous manque seulement qu'un koala. Et on va avoir réussi l'impossible. Un petit koala, mesdames et messieurs. J'ai aucune idée où. J'ai l'impression qu'il est à gauche. J'ai pas beaucoup exploré à gauche. Les koalas, ça se tient dans les arbres. J'imagine. Où es-tu, koala? Où es-tu? Il est peut-être caché. Ah non, il est là! Koala! Oh mon Dieu, c'est le dernier animal! Est-ce qu'on vient vraiment de finir l'Arche de Noé, mesdames et messieurs? J'ai tellement hâte de voir la cinématique de fin qui doit être, ma foi, délicieuse. Ça doit être un chef-d'œuvre de pixel art. Allez! Vas-y, Noé! Compte tes animaux! Il ne manquait personne. Et voilà, Noé est en train de regarder son inventaire. Pendant que moi, je fête en espérant qu'il n'y ait pas d'autres niveaux. Il me semble que c'est le dernier. Allez! On accélère! Vite! On va être inondé bientôt! Come on! S'il vous plaît, jeu! Allez, les bouts! C'est fini? Et voilà, le déluge, mesdames et messieurs. Mais l'Arche de Noé était prête. Nous avions de la nourriture et des animaux. Hein? C'est un peu plate pour les animaux qu'on va manger. Hein? On pense aux pauvres vaches du niveau 2 ou 3, je me souviens plus. Et voilà, l'Arche a survécu sur un... C'est comme ça que ça s'est passé? Et est resté comme sur un pic. Mais coudonc. Il se passe d'autres choses?
Ok. C'est tout? Si j'appuie sur un bouton... Vous avez tout pris, qu'est-ce qu'il fallait, puis voilà, puis vous êtes retourné au sol quand c'était sec. Bon, ben, coudon. Hey, c'était ça, on a réussi à faire les aventures de la Bible au complet, hein. Souvent, on parle des jeux bibliques, mais on n'ose pas les jouer parce que, bon, ils sont pas jouables, premièrement, et deuxièmement, ben, c'est pas très le fun. Merci d'avoir vécu ça avec moi. C'est aussi ça, la magie de Noël. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez apprécié. À l'écrire dans les commentaires, c'est lequel des trois votre préféré. Est-ce que c'est l'Arche de Noé, Bébé Moïse ou David et Goliath? Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du jeu. C'est sérieux. Allez, bye!